Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne d'aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo découverte sur la démo du jeu qui se nomme The Alters. Donc voilà, c'est un jeu qui avait été annoncé en 2022 au Future Game Show. Donc voilà, ça fait 2 ans quoi, c'était la même période qu'actuellement, au mois de juin. Et voilà, puis bah du coup, c'est un jeu qui m'a beaucoup intrigué dès le début en fait, avec le principe justement des haltères. Ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un alter, c'est en gros des personnalités multiples qui sont incarnées dans une seule et même personne. Donc selon certaines situations ou certains moments, la personnalité de la personne en question peut complètement changer en fait. Ça peut être la voix, ça peut être plein de choses. Et en fait là donc du coup le délire c'est qu'on joue donc un personnage qui s'appelle Jan, qui est un mineur de l'espace et qui doit créer des versions alternatives de lui-même afin de survivre sur une planète inhospitalière. Donc du coup en fait le délire c'est qu'il est sur une planète justement sur laquelle il doit exploiter les ressources. Il pilote en fait une énorme base en forme de roue et voilà, il doit se déplacer le long de la surface de la planète et rester hors de portée du soleil, ce qui pourrait le tuer à cause de radiations mortelles. Donc voilà, donc c'est un jeu de survie à la troisième personne. Un jeu solo du coup qui est prévu pour cette année, on n'a pas encore de date précise pour 2024. Et ça sort sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. Et c'est édité et développé par 11-Bit Studios, qui sont assez connus. C'est un développeur de jeux polonais qui avait déjà sorti des jeux qui s'appellent This War of Mine et Frostpunk. Voilà, ceux qui connaissent. Donc voilà, l'artiste principal a expliqué que c'était un jeu qui était inspiré de thrillers psychologiques. Donc voilà. On va aller découvrir ça ensemble. Alors par contre, le seul petit souci, c'est qu'il est uniquement, la démo est uniquement en anglais. Donc voilà, j'essaierai de vous traduire ce que je peux traduire. Après, je pense que tout ce qui est voilà, ça permettra au moins de découvrir un peu l'ambiance, les principes de gameplay, etc. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Bon, du coup, il disait qu'il était loin de tout, il était loin de sa maison. Il était seul et qu'il devait trouver son propre chemin. Je résume parce que les listes sont un petit peu longs. On doit découvrir ce qui se passe ici. Ce qui s'est passé, putain.
particulier l'animation quand il tombe. Du coup, ça tourne sous l'Unreal Engine 5 apparemment. Donc voilà, niveau rendu, c'est assez c'est bien. That's an emergency flare from my capsule. On a dit que c'était sa, sa fusée d'urgence de sa capsule. You read me? This is Jan Dolski. Du coup, demande aussi à quelqu'un qui l'entend. I've landed safely, but c'est my capsule. Qui s'est posé qui s'est posé sans souci quoi. Maybe the radio's broken. Il pense que la radio est cassée. Et il trace. Chute là, il y en a un qui est posé là-haut. Il y en a peut-être plusieurs des capsules de sauvetage. Ah, il y en a une. Attendez, j'ai baissé un peu le son. J'ai baissé le son de la musique, mais je me rends compte que les sons environnementaux ils sont très forts aussi. J'ai laissé un petit peu le son des dialogues un peu plus haut. Je vais baisser aussi. Ouais. Save. Oh non, 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 it's the captain. Shit. C'est la capsule du capitaine, il est mort. Deceased. What the hell? Not much I can do for her now. Il peut rien pas faire grand chose pour lui pour l'instant, il va essayer de trouver les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est pas écrasée et la capsule est intacte. Elle est morte à l'intérieur de la capsule. Je comprends pas quoi. La base mobile est là-bas. Dolski, la fameuse roue dont je parlais tout à l'heure. Anyone copy? Est-ce que quelqu'un m'entend? If you can hear me, quelqu'un m'entend? J'ai localisé la base. Et je vais essayer de la rejoindre. Maybe they landed closer to the drop-off point. I gotta keep moving. Il dit qu'il y en a sûrement qui, il y en a peut-être qui se sont posés à proximité de la base. Du coup, il doit continuer pour aller voir. Ouais, on voit qu'il y a plusieurs fusées de détresse là. C'est pas en capsule. The capsules. Les capsules. Quoi? What? Attends, en quoi? No. Non, c'est pas, c'est impossible. Ils sont tous. Ouais, ils sont tous décédés. Why? Mais pourquoi? Makes no sense. Ça n'a aucun sens. Ouais, si ça se trouve, notre personnage aussi est mort en fait et il se tape un gros trip. Ah, des radiations. Vague de radiation maintenant. Le risque augmente rapidement. Faut que j'aille jusqu'à la base. Allez, démonter la merde. Hurry up!
Ouais, c'est parce que c'est à cause des radiations, justement. Ça transforme la mer en une espèce de pic bizarre. L'ascenseur, vite. Et ouais, derrière, on voit la vague de radiation qui arrive. C'était chaud, quoi. C'était pas loin, ouais, plutôt. Alors voilà, on est dans la base. Hello. Ça, c'est peut-être pour appeler l'ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, donc on a un inventaire qui nous indique ce qu'il y a dans stock dans la base. Voilà. For a moment, I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. Ouais, ok, je dois trouver la salle des communications. Task, ok, bah c'est ça, trouver la salle de communication. Overview the base, ok, c'est ça. Bah, attendez, nous on est où? On est là. Ok, donc on va aller à gauche, utiliser l'ascenseur. C'est d'établir une connexion avec la Terre. Hello? Hello? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Mayday! Mayday, anyone? Mayday, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, du coup, on comprend pas trop, à part qu'il dit je peux vous entendre, capitaine. Je ne suis pas le capitaine, je suis le nouveau capitaine. Je suis là, mais je ne suis pas le capitaine, je suis un ingénieur. Yandolsky, corporate ID 4672. Il donne son nom et puis son code d'identification. Le capitaine, toute l'équipe est morte. Bon, Gon est parti, quoi. Hello? Ok, donc du coup, il n'y a rien qui se passe à l'écran. Est-ce que vous pouvez me sortir d'ici? Danger immédiat, le temps avant, justement, on sait pas. Il nous dit qu'il nous reste un certain temps avant qu'il y ait un certain danger. Quel danger? Combien de temps? What? How much time? What's gonna happen? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des vieux bruits bizarres. Talk to me. What's? Parlez-moi. Quel danger? L'activité de la planète augmente. Il reste, on ne sait pas combien de jours avant que y ait quelque chose qui nous tue, en fait. Et puis il dit qu'il faut se reporter au log d'instruction. Non, don't you go all fuzzy on me. Proximity. Quelque chose de proximité létale, voilà. Le truc qui peut me tuer à proximité. À l'étoile, il faut se dépêcher. Il faut s'échapper. Proximité dans. A star will come and burn this planet. Il y a une étoile qui viendrait brûler cette planète. Is that right? Je dois juste m'échapper. Voilà, à cause du soleil, ouais, c'est ça. Perfect. Parce que je vous disais au début qu'il est obligé de toujours en rester en dehors de la zone d'effet du. Qui est la cabine du capitaine là en bas. Qui doit rester en fait loin du soleil parce que sinon ça peut le tuer, quoi. Les radiations du soleil. Donc de l'étoile. Alors, général, ok. Alors, procédure d'évacuation, bienvenue. Fonctionnalité manuel d'évacuation dans le cas où un accident. The Geopardize. C'est sûr, Geopardize. Ouais, je pense que c'est si. Voilà, il y a un incident imprévu, je pense. Qui fait qu'on peut pas remplir notre mission.
et qui mettrait également en danger la sécurité de l'équipe. S'il vous plaît, suivez ce protocole de sécurité et déplacez la base à un endroit sûr. Les étapes à suivre... réalimenter la base, fabriquer l'équipement nécessaire et sécuriser de la le stock de nourriture. Ok, donc ces étapes vont être automatiquement suivies sur votre HUD. Le Star System, ouais, bon alors ça c'est, ils expliquent qu'est-ce que c'est, où on est, mais bon, je vais pas m'amuser à lire tout ça. Et surtout le traduire, parce que surtout que j'aurais peut-être pas forcément tout le vocabulaire suffisant pour tout traduire. Blablabla, ok, bon, bah là c'est la même chose. Ouais, il parle du système de navigation quantique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ok, donc fabriquer le matériel nécessaire. Relocaliser de la matière organique. Demande de déployer un Alicorp Polygonal Scanner. Voilà, il demande d'utiliser un certain appareil. Cet appareil, cet outil plutôt. Ok, bon, du coup, ils disent que l'équipement nécessaire, tout ce qu'on aura besoin. Comme justement les bases de minage, les avant-postes de minage quoi, et les pylônes peuvent être fabriqués à l'atelier dans le module de la base. Ok, alors du coup à droite on a le truc. Donc il faut que je trouve 6 trucs de métal à l'extérieur et du coup bah, mon but c'est de suivre les instructions pour préparer notre voyage pour échapper au soleil. Alors, il y a un chrono en bas à gauche. Non, ça, il y a l'heure mais je vois qu'il y a marqué 2:57. Ça n'a pas l'air de bouger. Alors, small storage. Ah, c'est ça, le quantum computer, là, le truc qui était indiqué dans le manuel. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ressorte. Machinerie, airlock. On va peut-être essayer d'aller voir le quantum computer pour moi. Ouais, donc du coup, c'est peut-être le Quantum Computer qui nous permet de créer des haltères. En fait, le délire, c'est qu'en gros, vu qu'on est tout seul et qu'on va devoir gérer plein de choses, bah, on va être obligé de créer des haltères en se clonant, en fait. Du coup, la base, on le voit aussi, la base, en fait, on peut l'agrandir. On voit que sur les côtés, il y a des portes là qui sont fermées pour l'instant. Et qu'en fait, on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Ok, ça du coup c'est le stockage. Et en fait, vu qu'on crée le délire, c'est que vu qu'on va créer des alters de nous-mêmes, donc des personnages qui sont nous mais avec d'autres personnalités, ça va nous forcer en fait à cohabiter avec des personnalités de notre personnage quoi. Ah si, il y a bien une barre en bas qui se déplace là sur 2 minutes 57. Ils disent d'aller trouver du métal, mais où du coup? Attendez, désolé, j'ai coupé le jeu ce que j'étais en train de dire. Juste que je vais être sûr de pas faire de conneries. Du métal, là on en a 3. Donc il nous en faut 3 de plus, je pense. Airlock, the radiation level at night are deadly. Exciting the base is currently not permitted. And you rest. Ok. Ouais, donc il dit que la nuit, en fait, le niveau de radiation est à un niveau mortel. Donc on peut pas sortir. On n'a pas la permission de quitter la base pour l'instant. Et qu'on doit se reposer, en fait, dans la. Merde.
dans la truc du capitaine, en fait, dans la cabine, pardon, du capitaine. Jusqu'à demain. Voilà. Ok, alors, on peut régler l'alarme au moment où on va se réveiller. Quand vous allez vous coucher, vous pouvez sélectionner l'heure à laquelle vous réveillerez le lendemain. Ok, donc dormir plus longtemps vous donne plus d'énergie pour les différentes tâches à réaliser. C'est représenté par la barre rose. Ok, quand elle est vide, quand on atteint le bout de cette barre rose là, on est fatigué, donc on peut continuer à travailler mais plus lentement. Et will become tired and work much. You should avoid working. Il dit qu'il faut éviter apparemment de travailler quand on est fatigué. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris la phrase. On peut continuer justement à travailler quand on est fatigué. Energy bar runs out, will collapse from exhausting. Ouais, donc quand la barre elle est complètement vide, en fait, quand on dépasse la barre là avec l'espèce de trait noir, on est épuisé et du coup on s'effondre d'épuisement et on se réveille le jour d'après, quoi. Donc il faut aller se coucher avant. Alors du coup il a dit que la nuit il y avait des trucs qui étaient trop il y a trop de radiation, donc on va essayer de se lever tôt le matin. Énergie, 12 heures d'énergie pour le travail. Ouais, du coup là ça augmente. D'accord. 13h, 14h. Ouais, allez, on va faire ça parce qu'on va peut-être pouvoir travailler à l'intérieur du vaisseau aussi. Ouais, donc du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait on doit cohabiter avec les autres, avec nos haltères en fait. Et du coup voilà, ça va forcément créer des problèmes parce que les personnalités ont l'air d'être assez différentes et du coup, il y en a peut-être certaines qui vont faire des choses pendant que d'autres sont en train de dormir. Voilà, il va y avoir une espèce de petite confrontation en fait entre les différents alters. C'est pour ça qu'il parle d'un thriller psychologique. Alors, on va retourner faire un petit tour dehors. Alors, shallow deposit, you can find your level on the planet surface. Unlimited amounts. Ok, donc on peut trouver des dépôts de matériaux. Contiennent une quantité limitée de ressources. Ah ouais, d'accord, il y a carrément une map comme ça. Du coup, ils y sont plus les. Ils ont disparu les trucs quoi. Il y avait les. Comment ça s'appelle les. Capsules de sauvetage. Pardon. Et du coup, où est-ce qu'on est censé trouver le matos? On a l'air de passer assez vite. Hein. Pas traîner. Là, je sais pas si vous avez vu en fait. That looks like our ship's cargo drop. Ah voilà. It's filled with the crew's personal items, including my stuff. Des affaires, ouais, c'est un truc de stockage, et du coup, il dit je vais peut-être trouver des affaires de l'équipe, dont les miennes. Ouais, c'est un bouquin. Ouais, c'est l'une des choses qu'il avait ramené pour la mission. Et ouais, du coup, quand j'ai dormi, que ça m'était jour 2, c'était marqué comme quoi. Il restait 8 jours avant que le soleil arrive. Donc je sais pas si c'est sur l'intégralité de la mission ou si c'est juste en gros j'ai 8 jours là pour quitter ce secteur là et après bah du coup on doit aller à un autre secteur, on va devoir à nouveau essayer de trouver un moyen de continuer notre route. Là où il y a de la flotte. Et du coup à chaque fois voilà le compteur va se réinitialiser. Ah d'accord, un grappin pour fabriquer à l'atelier. Là-bas il y a une autre navette.
capsule de sauvetage. Enfin, de stockage, du coup. Alors, couteau suisse, d'accord, multi-tool, et band, t-shirt. Ok, ouais, bon, ben, du coup, c'est un t-shirt. My stuff landed here. Ah, pas passer là. Ballot. Il y avait des pierres un peu bizarres au milieu là. Ouais, il y a du rouge là sur la roche au milieu. Et c'est un truc qu'on pourrait exploiter. That shiny rock. Ouais. Be a source of metals. Ah voilà, parfait. Source de métal. Le stock, on a l'air d'en avoir à côté. Je sais pas si on est limité au niveau du poids par contre. Un panneau indicateur. Ah si, storage 35, 75 sur 48. Donc ouais, on doit être limité. Je pense qu'on est limité par rapport à notre perso. Et après, quand on va dans le vaisseau, on peut déposer le matos. Libérer de l'espace. Alors on va essayer d'aller voir là. Ah mais non, je suis pas du tout en train de partir dans la bonne direction. J'ai vu qu'il y avait ces flèches là, et en fait bah, c'est le tout. On va essayer d'aller voir vite fait. Faut juste que je fasse gaffe par rapport à l'heure, parce que après il y a les niveaux de radiation qui vont augmenter. Je sais pas à partir de quelle heure, ils disent que c'est la nuit apparemment, donc... explorer ce côté là puis après on reviendra. Ah, le temps passe vraiment vite hein. Passage là haut. Est-ce qu'il y a un truc intéressant par là? Je me fasse surprendre par le temps. Ce machin chelou. What the hell? Could this be... Radium Discovery. Faut que je récupère Rapidium plutôt. Faut que je récupère trois trucs de ce machin. I have to get closer. Make sure. Il dit qu'il se sent bizarre. I need to collect a sample. Ça c'est chelou, mais je trouve ça trop beau quoi. Trop classe. C'est fait tout chelou. Putain, c'est déjà 18h47. Je me dépêche. Je suis où là? Oh putain, ça va... Ouais, ça me rallonge là. Faut que je retourne en arrière. On a exploré ici demain. C'est que je sais pas à partir de quelle heure ouais, les radiations arrivent. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure quand c'est arrivé le premier jour. Il y a un logo aussi en bas à droite de l'écran, je sais pas ce que c'est. Il n'arrive pas à y croire. Si c'est vraiment du rapidium, ça pourrait changer tout. Ça pourrait tout changer. Il doit bah, le rapporter. Attendez, je vais rester un petit peu dehors juste pour voir à partir de quelle heure les radiations débarquent. Moi, je serai pour les prochains jours. C'est 20h. Mais ouais, j'ai pas fait attention, mais il me semble que quand j'étais au dépôt de Rapidium, là, le temps il s'est mis à s'écouler beaucoup plus rapidement. J'ai pas vu. Juste que quand je suis reparti, j'ai vu l'heure que c'était, j'ai fait ouais. Déjà 18h et quelques. Ouais, voilà, c'est ça, à partir de 20h.
Et 20h, ça, il y a l'alerte, et à 21h, si on n'est pas rentré, on est mort. Ok, alors, report your finding. Alors, on va déjà aller déposer notre bordel dans les zones de stockage. Base collectible. Ah, mais ok, du coup, il l'a directement mis dans la base en fait, apparemment. Qu'est-ce que c'est que le rapidium? La première fois a été découvert accidentellement par Holicorp. Blablabla. Ouais, bon. On verra ça si je fais le jeu. Ok, bon, ça du coup, c'est le tuto. On s'en fout. Du coup. Ouais, on voit que le storage est déjà pas mal avancé. Alors du coup, pour rapporter ce qu'on a découvert, je pense qu'il doit falloir aller à la salle des communications. Non, ça c'est le log. Hello? Anyone copy? Est-ce que quelqu'un m'entend? Fixe et silencieux. I went out to find resources. J'ai trouvé des ressources, j'ai trouvé une cave remplie de quelque chose. Et je pense que c'est du rapidium. You hear me? Vous m'entendez? Je pense avoir trouvé du rapidium. Vous êtes sûr à propos de ça? Je suis sûr. I'm sure. Yeah. Ouais, je suis sûr, oui. What else could it be? Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Testez-le. Testez le rapidium. Et comment je dois faire ça? Il y a un nouveau plan qui nous a été transmis pour fabriquer le womb. Ok. Un truc pour analyser l'ADN. Who are you? Who are you? Qui êtes-vous, pardon? Ouais, y a pas de réponse. Le womb. Okay. Bon, on va fabriquer le womb. DNA sample, huh? I guess it makes sense. Rapidium speeds up organic growth. Voilà, j'essaie d'ouvrir ça, mais ça me l'avait pas marqué. Ça doit être dans machinerie, du coup. Ça doit être ça, l'atelier, je pense. Ça, c'est le truc de radiation. Barrière anti-radiation. Ok, on peut l'activer ou désactiver. Command Center, Airlock. Bah, mais il est où l'atelier en fait? Ah, en bas à gauche, on voit qu'il y a une réserve d'eau aussi, apparemment. Ouais, bah, je sais pas, manual storage. Bah, small storage, plutôt. Task. C'est où fabriquer? Truc machinerie, j'y suis allé, mais il y avait rien. Ah, c'est là, pardon. Ah, ça, c'est pour fabriquer la base, d'accord. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, il y a la possibilité d'agrandir les trucs. On peut même modifier l'organisation de la base en elle-même. Build, expand. Du coup, on peut augmenter. Voilà, on peut augmenter la taille de la base. Sauf que, il faut faire des recherches là à gauche. Il faut atteindre le niveau tier 2 pour après déverrouiller d'autres trucs. Ok, mais du coup ça me dit toujours pas où est-ce que je dois fabriquer les machins. Ouais, mais je vais retourner à la machinerie, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. On peut pas interagir avec. Ça c'est juste pour la barrière. Je ne comprends pas où c'est. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Il faut fabriquer le workshop. Dans la salle de commande. Ouais, donc du coup, c'était bien là. C'était bien ce que j'étais en train de faire. Expense. Non, c'est build. Voilà, c'est ça.
Ah, le Womb, ok. Donc il faut que je me fasse le workshop. Donc le workshop, on peut se le mettre à côté de la salle de commande. Et... ok, on peut construire des ascenseurs, mais ça je m'en fous. Et le Womb... Ah bah c'est peut-être le Womb, c'est peut-être le truc pour... comment dire... pour justement fabriquer d'autres personnages. Ah, je peux pas le fabriquer. Ça coûte 4 je sais pas quoi. Ça doit être du métal, je pense. Pourtant j'en ai 11, donc je devrais pouvoir le fabriquer. Il faut peut-être que je mette d'abord un ascenseur. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, you can find more information about base, ok. A womb? Now? What can possibly come out of it? Alors, il y a ça, mais j'ai pas assez de liquide, je sais pas si c'est de l'eau ou c'est autre chose. Organique, ouais. Il m'en faut 12, j'en ai que 10. Par contre, je peux fabriquer les scanners qui servent à scanner la surface de la planète. Allez, on va en fabriquer un. Bon, du coup, j'ai vu, il y a un compteur qui s'est mis en route, là. Il reste une minute. Et on va aller voir le Womb. Alors, test Rapidium. Here goes. DNA sample. Pidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. D'accord. Quand on a fabriqué un mouton, quoi. Of course. What else? Oh. Faut que je rapporte le résultat. I think I'm gonna call you Molly. Okay. Alors j'ai fabriqué le Womb et j'ai testé le Rapidium. L'échantillon d'ADN m'a apporté une petite surprise. Mais ça marche, j'ai cloné un mouton. Hello? Hello, est-ce que vous m'entendez? J'ai un mouton à bord. Vous êtes responsable. Vous êtes maintenant. Moi, vous êtes responsable pour. Vous êtes maintenant responsable de deux vies. Ok, Reliphone Fandium, ok. Donc voilà, c'est une réussite. Vous avez réellement trouvé du Rapidium. Yes. Oui, ouais. C'est fantastique, n'est-ce pas? J'ai plus le temps de l'arrêter. Ok, bon, il y a toujours... Il y a toujours un danger imminent et que à cause de l'activité qui augmente. Je le sais. Mais je suis juste un ingénieur ou un fabricant. Il n'est pas capable de gérer tout ça lui-même. Ok, alors du coup... mon fabricateur, c'en est où? Est-ce qu'il a fini de fabriquer le truc? Ah mais d'accord, ok, fallait travailler, j'avais pas vu. Voilà, fabriqué. Ok, bon bah du coup j'ai l'énergie... qui a diminué... C'est pas fini encore? Voilà. J'ai fabriqué mon scanner. J'allais dormir. Hop. Donc on va remettre. Ah mais du coup c'est plus tard, donc du coup ça me décale par rapport à l'heure. Ok. Ok. Bon allez, on va partir là-dessus. Ouais, pour le moment j'aime bien. J'aime bien ce principe d'être paumé sur une planète là, d'être tout seul, de voir. Survivre quoi. Puis, j'aime bien l'univers du jeu. Alors du coup, on va retourner explorer. Donc le scanner. Ah, le truc en bas à droite, ok, c'est justement
le nombre de jours qui reste avant que le soleil arrive. Ah, là-haut, je vois qu'il y a un parachute, donc il doit avoir une capsule aussi là-haut. Comment on fait pour déployer... comment on fait pour accéder à l'inventaire? J'aimerais bien déployer le machin, le scanner. À moins que ça l'ait fait tout automatiquement. Enfin bref, on finit d'explorer, voir un peu les ressources que je peux trouver. Il faut que je trouve, pour fabriquer un grappin, il faut que je trouve encore du truc organique. Ok, bon alors là il y a des dépôts de métaux. Ah oui, on voit le temps en bas, il passe super vite quand je bosse. Storage capacité, donc ouais, j'ai rempli la capacité du stockage du vaisseau. Ok. Donc ouais, du coup ils nous disent de rajouter des emplacements de stockage dans le vaisseau pour stocker plus de stock. Logique. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait redescendre par là. Bon, il reste encore un peu de temps, je devrais pouvoir aller faire le tour là-bas. D'explorer le secteur là-bas. On doit, du coup, si je trouve des ressources, je vais pas pouvoir tout trimballer. C'était marqué qu'on peut aussi reposer en fait des ressources si on en a trop sur nous. On peut s'en débarrasser quoi. Ah, ça c'est des trucs organiques. I should look for organics here. Alors, scanning, voilà, ok. Scanner allow to find resources. Ok, donc, ah oui, ok, là, il crée en fait des espèces de trucs au sol qui permettent de voir sous le sol. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, voilà. C'est que c'était pas encore accessible, c'est que je peux pas l'utiliser. Alors du coup c'est pour trouver une veine. Ah là du coup ça marche pas comme ça. Merde. Comment je fais pour l'enlever? C'est le boulet là. Ah voilà. Continuer. Et là je peux pas, si je vais de l'autre côté ça bloque. Ah non c'est... Il nous montre ce qu'on est censé faire, j'ai l'impression. Donc du coup, faut trouver quoi? Faut trouver l'origine du truc. Là. Je dirais que ça continue par là-bas encore. D'accord, après du coup ça fait apparaître la zone de dépôt. Et alors... Ah j'en ai plus des trucs.
Ok, donc je peux le récupérer apparemment. Ok, ouais, ça a l'air de m'indiquer que c'est là-bas. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ouais, donc on peut créer des extracteurs en fait. Il faut que je le fabrique, non ? Alright. Alors, après, du coup, il faut créer des pylônes. Utiliser les pylônes pour connecter le truc de minage jusqu'à la base. Chaque pylône est automatiquement connecté au précédent. Bon, la structure proche, plutôt. Ok, c'est possible connecting. Ok, donc on peut voir les possibilités de connexion via les lignes vertes qui apparaissent quand on a des pylônes qui sont équipés. Pylône qui sont semi-connectés. Ouais, ok, bah les pylônes peuvent être connectés les uns aux autres pour créer une ligne du truc de minage jusqu'à la base. Alors, hop, build. Hop. Alors, niveau de distance, ça va jusqu'où? Okay. Ok, à la distance qui est indiquée sur laquelle le truc peut encore être connecté. Là, on voit, il y a un espèce de cercle bleu qui apparaît autour de moi là, pour dire la zone dans laquelle on peut connecter. Hein. La limite. Voilà, parfait. Vous pouvez connecter to the bus for now. You can use fast travel to move quickly. Ok, on peut utiliser le système de déplacement rapide. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais on peut se téléporter. Alright, bon bah voilà, parfait. J'en ai bien rempli. Du coup, extraire 8 trucs depuis le truc de minage. Mm-hmm. Mais du coup, comment ça fonctionne après? Ça récupère pas automatiquement le truc. Hein. Genre redescendre. Ah voilà, du coup maintenant on peut choisir où est-ce qu'on veut apparaître. D'accord. Fast travel. Ah voilà, puis du coup faut travailler ici pour extraire le truc. On a récupéré deux, c'est bien, je vais pouvoir fabriquer le grappin. Hop, fast travel. Nickel. Parfait. Le fabricateur, il est là-bas. Ok, donc du coup, on peut créer d'autres trucs. D'autres avant-postes de minage.
Des packs de pylônes aussi. Du coup, on va fabriquer ça. Voilà, je vais fabriquer. Parfait. Plus qu'à aller dormir. Jour 6. Ouais, bon, du coup, je pense que l'objectif, c'est de terminer, de quitter ce secteur-là, et puis après, la démo, elle sera terminée. Mais voilà, c'est bien, comme ça, ça permet de voir un peu les mécaniques de jeu. Alors, il faut en extraire 8. Une cuisine. Ouais, j'en profite, j'en récupère un maximum. Je vais aller jusqu'à ce qu'il y ait au niveau du temps, je sois limite. Là, j'aurais fait le stock. C'est bientôt fini. Ouais, j'ai un peu peur. C'est pas grand chose pour terminer un truc là, mais j'ai peur que les radiations viennent à nous tuer. Mieux assurer le coup. Alors, fabricateur de la base. Créer un nouveau truc. Créer une cuisine. On combien en place? 5, ouais, c'est grand. Je dois pouvoir ajouter un peu de trucs de stockage aussi. Alors, bon. Du coup, ça donnerait quoi la cuisine là? Je peux pas aller tout. Ah oui, voilà. Ok, donc on va refaire un ascenseur. Et on a. Voilà. Cuisine construite, préparée, 6 repas, non, ça c'est le womb, ouais c'est une démo, hein, c'est un peu buggé. Kitchen, ok, il n'y a rien qui a été sélectionné à fabriquer, Munchup package 2, ok, du coup ça utilise du truc organique, hein, donc j'ai bien fait de l'en récupérer. Ah, j'ai terminé le truc. Ouais, il travaille beaucoup moins vite quand il est. Hein. Ah, c'est abusé. Voilà, bon, on fera le reste demain. Non. Truc du capitaine. Non, bah non, c'est pas là. Putain, c'est bon. Voilà. Ouais, du coup, vu que c'est tard, j'ai moins d'énergie pour bosser, quoi. Ah, c'est pas mal, je trouve, ce système de gestion là de la fatigue. Du fait que, bah, du coup, si on travaille trop tard le jour précédent, on va moins pouvoir récupérer le lendemain. On pourra moins récupérer de la fatigue pour plus travailler le lendemain. Je trouve que c'est pas mal comme principe. Est-ce qu'on peut en sélectionner plusieurs? Ah, bah oui. Par contre, c'est pas marqué combien j'en ai déjà fabriqué. Non. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai fini. Bon, on va faire celui-là aussi. Alors, démarrer les moteurs dans la salle de commande. Dans le centre de commande. Centre de commande. Non, c'est là.
Du coup, peut-être avec la base. Voilà, ready. Donc, on peut démarrer les moteurs. Whoa! What just happened? Ok, on va aller faire un truc dans la salle des machines. Do this to me now. Ok, that's sorted. Let's give it another go. Ok, donc il faut recommencer. Il y avait un petit problème technique apparemment. What? Ça recommence. Ken. The machine continue. Well, this didn't work. Ça ne marche pas. Je devrais essayer à nouveau. Si je ne peux pas le réparer, je devrais peut-être demander de l'aide à Alicorp. Ok. Forcément, ça peut marcher correctement. Oh putain. Ça c'est le truc qui génère la barrière en plus. Ça me permet de me protéger des radiations. Ok, donc il faut aller appeler Alicorp. Hey, you still there? Vous êtes toujours là? J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai fait tout ce qui est marqué dans le manuel, mais il y a un problème, j'arrive pas à le réparer. Je ne sais pas pourquoi. Le Rapidium peut vous sauver. Vérifier data consistency in QC module. Ok, je dois vérifier quelque chose dans le module QC. Alors c'est QC, je crois, quartier général peut-être. Ok, bon bah du coup je dis que j'ai pas accès à ce truc. Quantum Computer. D'accord. QC c'est Quantum Computer. Ah ok, il vient de me donner l'accès. That was easy. Right. Alors, allons voir ce QC là. On va ça en face. Alors, analyser data for... de l'enregistrement de l'esprit de l'équipe. Ah, mais oui, en fait, c'est ça. En fait, les alters, ils sont créés à partir de l'esprit des autres membres qui sont morts, en fait. Je pense que c'est ça le délire. Parce qu'en fait, en gros, il a pas les compétences là pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Et du coup, il va créer des alters qui ont la mémoire, ben, voilà, une copie de l'esprit des autres membres de l'équipage. Qui va du coup lui permettre d'avoir accès à d'autres compétences en fait. C'est sa vie, ouais, c'est un espèce de résumé de sa vie. En lisant son esprit. Alors, Quantum Slot. Oulala. Putain. Alors. Donc, ça, c'est l'enfance. Après, là, il grandit. À 15 ans. Il a quoi Il devient aveugle. Ah non, c'est parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui se faisait agresser et il l'a pas sauvé, il l'a pas regardé. Witching to escape. Je sais pas ce que ça veut dire, wishing. D'accord, donc là il a un croisement en fait. Donc de savoir qu'est-ce qu'il va faire à mon avis de sa vie. Donc là, et bah, du coup il part. Il s'en va de là où il était. Trop loin de la maison. Ouais, c'est bizarre, il y a une autre branche. Select life event. Ah d'accord, ok. Ok, ouais, donc du coup, il y a bien des... il y a bien des informations supplémentaires qui nous expliquent ce que c'est... Ok. Alors, trop loin de la maison, c'est un boulot saisonnier. Ok, bon, il était plongeur. Trop tard pour dire au revoir. Donc, je sais pas
sa mère ou un proche qui était en train de mourir. Faire quelque chose pour elle. Ok. Rencontre avec Lena. Ils emménagent ensemble. Une nouvelle opportunité. Bon, des nouvelles opportunités. Il quitte l'université. Purgatory. Dans le métro encore. Ouais, bref. Alors du coup, une maison de rêve. Quand la crise nous a frappés. C'est quoi là? Trudging back up the hill. Qu'est-ce que c'est leur trudging? Retour en haut de la colline, mais trudging. Lena's great chance. Ouais, donc du coup, Lena qui a eu une grande opportunité. Du coup, lui demander qu'elle reste. Des problèmes relationnels. Il a perdu Lena. Il a appris la mission en fait. Project Dolly. Project Dolly. Vous entrez dans le vaisseau avec un peu d'anxiété, d'excitation, d'aller dans l'espace. Loin d'ici. Comme j'ai toujours voulu. Ah ouais, loin de vos problèmes. Ok, mais bon, du coup, Quantum Slot, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec le Quantum Slot? Est-ce que ce serait... Il y avait un truc, nouvelle opportunité. Ah, mais je vois pas trop, en fait, l'intérêt du truc. How did they get it? Comment ils ont tout ça à contacter Alicorp? Ok, il faut que je recontacte Alicorp. Hey, I checked the quantum computer. Donc il a regardé l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que je fais après? What do you want with it? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ah, il faut que j'initialise la procédure de branche. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est? I'm not messing with that shit. Branching? Qu'est-ce que c'est exactement le branching? Branching. Vous. What? What? You what? Is that quoi? Your whole answer? C'est votre seule réponse? À créer un alter. Voilà. Alter. Alter. Alter quoi? Alter what? De votre vie. Non. Le rapidium, cloner des moutons, branching moi-même. Altering my life by messing with my own memories? I mean. Créer un alter avec depuis ma propre mémoire. No. No way in hell. Give me my other options. Ouais, donc il refuse, il dit donnez-moi une autre option. Du coup, il répète qu'il y a un danger imminent et qu'il reste que quelques jours. I don't have other options, do you? Je n'ai. Allez vous faire foutre. You jerk, je crois que c'est un truc dans le genre. Vous vous faites chier, un truc comme ça. Du coup, il dit ouais, bah il n'y a pas d'autre option. Bah non, il n'y a pas d'autre option. Ouais, donc non, en fait, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à notre propre esprit de créer des branches en fait. L'hypothèse de tout à l'heure n'était pas la bonne. What? What is it doing? Voilà, ça cherche en fait des endroits où il y a des branches. Ah bah c'est ce que j'avais vu tout à l'heure justement, qu'il y avait une branche qui partait vers le bas. Il se rappelle de tout ça, une vie alternative du coup. Donc c'est ça le branching. Ok, donc voilà, ici il y a... Voilà, donc du coup, ici, un système de branches. Et du coup, c'était... voilà.
At the Crossroad, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à un croisement. Et du coup, bah, il avait choisi de partir, en fait. Et là, du coup, il y a une autre branche qui est apparue qui fait que bah, il restait à la maison, en fait. Il a décidé de ne pas partir, de se confronter aux autres, quoi. À ses problèmes et de rester là où il était, quoi. Et du coup, bah, on voit que ça lui permet d'augmenter... son alter aura des compétences en technicien qui seront augmentées de 50%, qui augmentent de 50%, ce qui fait maintenance dans la base. Voilà, donc coup de l'alter, de Quantum, je pense que c'est les Rapidium, là, les trucs qu'on voit, le logo. Hop, un alter. Hop. Et du coup, il va se faire cloner par la machine de clonage. Ouais, parce qu'en fait, dans tous les cas, il était coincé, il peut pas continuer. Non. Ouais, bah écoutez, est-ce que ce serait la fin de la démo ? Donc, c'est peut-être justement l'introduction où on nous montre. Bon, là, on voit en fait que le clone il a l'air d'être en train de grandir. Ça a créé une nouvelle branche avec toute une nouvelle timeline en fait en découlait justement de ces du choix qu'il avait fait à ce moment là du coup sa vie était différente, mais par contre le final c'est le même, hein. Il se retrouve au projet Dolly. Voilà, alors faut que j'aille réveiller l'alter. Hello? Hey there. Wow. Est-ce que tu m'entends? Hello? Can you hear me? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Anxiété, insécurité. Ouais, on voit en fait les sentiments qu'il a, les sensations, les émotions et tout. Détends-toi, tu es dans un laboratoire. Lab inside the sea. Ouais, du coup, il est moins frustré, moins anxieux. Memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Du coup, il dit qu'il est dans l'unité, je sais pas quoi, et puis il essaie de le rassurer. Je reconnais cette base. You look funny. You. T'as l'air de marrant, you. What was that? I wanted to laugh, but I'm like. Je voulais rigoler, mais. Indifférent. Différemment. Think you're on some meds. Je pense que t'as besoin de certains médicaments. Pourquoi? So you don't panic when you wake up. Why would I panic? Ouais, donc du coup, il dit que pourquoi je devrais paniquer. Right now. Il lui a dit tu devrais prendre des médicaments pour pas paniquer. Et lui, il a dit pourquoi je devrais paniquer. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant. T'es une condition mentale. Can you? Il lui demande de se présenter. You first.
I insist. Donc voilà, je lui ai proposé de se présenter d'abord. Yandolsky, senior technician at Allied. Technicien senior pour Allied Corp, Mining Operations. Wow. Amazing. It actually worked. Ouais, du coup, il dit, c'est impressionnant, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est dur à comprendre, mais mon nom est également Yann Dolosky. Of course it is. You're not bad for an imitation, but... Mais il lui dit, c'est pas mauvais pour imiter, mais qui t'es exactement? Parce que c'est une sorte d'expérimentation, mon expérience. Personne, parce que personne ne m'en a parlé, m'a prévenu. Non, ce n'est pas le cas. It's not an experiment. This is for real. Ce n'est pas une expérimentation, c'est pour de vrai. What's going on? Donc, qu'est-ce qui se passe? Well, I got stranded. Donc, je suis bloqué dans cette base. Et j'ai besoin de quelqu'un qui pourra m'aider à le faire bouger parce qu'il est cassé. Ok, bon, c'est la partie la plus dingue. J'ai appris à utiliser l'ordinateur quantique afin de créer une version alternative de ma propre vie. Quoi? Dupliquer une personne, mais avec une expérience différente via l'enregistrement de l'esprit. Les enregistrements de l'esprit. S'il y a quelqu'un qui est en problème psychologique, c'est pas moi. Il dit qu'il sait comment ça marche, l'ordinateur quantique, mais que je dis des conneries. Est-ce que tu vas bien? Bien? Si je te comprends bien, tu es en train de me dire que je suis une version alternative. Tu es une version alternative de moi, mais avec un esprit différent. Yes, you can put it that way. The way around. Tell me you are. Ouais, du coup, il pense que c'est moi la version alternative de lui. Mais en fait, c'est lui qui est la version alternative de moi, vu que je suis le premier. Je suis l'original. Ouais, je remets ça. Ouais, c'est à peu près ça. He said we were stranded. Yes. It's just us. Il n'y a que nous. Comme je l'ai dit, il y a un problème dans la machinerie et si tu ne peux pas m'aider à le réparer, on va tous les deux mourir. Donc attends. Laisse-moi résumer, ce n'est pas une expérimentation. Et tu es une version alternative de moi. Et cette version alternative me fait sortir d'un cryo-sommeil pour pouvoir réparer quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas? Où est-ce que c'est? Still excite somewhere. You'd still exist somewhere? Theoretically, at least. Theoretically? Wow. You bastard. I can see now what the meds are. Je comprends pourquoi sont les médicaments maintenant. Du coup, il a l'esprit rebelle là. What am I? Look, this is a lot, and we'll. Je sais que ça fait beaucoup. On en parlera après, mais je te le promets. Mais crois-moi, il faut vite réparer la machine. Et puis voilà, après, ils me prendront plus de temps pour expliquer tout ça. I don't like this kind of pressure. Well. Ouais, proposer de prendre des médicaments, du coup. Fine. Donc, du coup, faut que je lui montre où est-ce qu'il doit aller. C'est bien, what the fuck. What a screw up. Three-year-old would have figured it out. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But
Unfortunately, this is a two-man job. Ouais, ok, il fallait être deux pour pouvoir faire ça, en fait. Pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Ouais, il m'explique ce qu'il doit faire. Fais pas ça comme un idiot, fais-le doucement. 1, 2, 3, maintenant. C'est bon, ça a marché. On a réussi, on va pouvoir vivre. Dis-toi, you create something. Ah, ok. Du coup, il refuse de continuer à me parler. Il m'a dit qu'il acceptait pas que ce soit moi qui l'ai. Il l'a créé, il m'a dit de rester loin de lui. A new altar is ready. Gen technical is born. Technician is born. Du coup, on peut passer de l'un à l'autre, on dirait. C'est en haut, je vois qu'il y a un croix directionnel vers la gauche pour changer. Mais c'est pas disponible parce que là, faut juste démarrer le truc. Salle des commandes. Démarrer le moteur. Ah oui, j'ai plus assez de. Plus assez de ressources. Ok, alors on va aller chercher vite fait. Ouais, je pense que ça va vraiment créer des situations bien délirantes. En plus, faut gérer l'état psychologique des différents alters et tout. Ça peut vraiment être très cool, quoi. Alors, démarrez votre voyage. Est-ce que vous voulez automatiquement collecter les structures avant de partir? Ouais, donc les pylônes et puis le truc de minage. Yes. Ceux-là pour le moment en plus ils sont que deux, mais après en fait il y en a plus quoi. Plus jusqu'à combien il y en a, mais il me semble qu'il y en a 8. Bon, il n'y a pas de tâche particulière à faire. Du coup il est où l'autre? Ah, il est en haut dans la cuisine. On peut rien lui dire. Ah voilà, on a accès à un nouveau menu pour les haltères. Donc on peut voir qu'il n'a pas de blessure, que son niveau de radiation est minimal, qu'il n'a pas faim. Event log. Ok, bon, du coup il dit qu'il est énervé contre moi. Il est vraiment irrité. Statut émotionnel, ok, bon du coup il se sent pas très bien, il a de la frustration, rébellion, insécurité, anxiété, burden, je sais pas trop ce que ça veut dire burden, gloom non plus, ok, ouais, bon, du coup ça a rajouté plein de tutos, alter tab, food, ok, donc les altères, ils consomment un repas par jour, apparemment. Apparemment, il veut me parler maintenant. Hello. Hey there. I said, don't come near. Je t'ai dit de pas venir près de moi. Je comprends que tu sois en colère, mais j'ai besoin de ton aide. Get a grip, we need to fix the comms room. Ok. Ouais, donc il lui dit de venir filer un coup de main pour réparer la salle des commandes. De com. I get it. You're angry. I would be too. But I could... T'es en colère, je le serais aussi. If we manage to get the comms room... J'ai besoin de ton aide. Get out of here faster. De démarrer du coup le truc de... Ouais, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir qui c'est qui nous parle, ça déconne. Donc du coup il lui demande de venir...
Now get out of my face, creep. Dit me barrer, espèce de monstre. You do the same. You don't get to talk to me like that. You're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the same thing. Really? You said it yourself. Ouais, il dit qu'au fond, on pense la même chose. Donc, il dit vraiment. They don't mix well. You say it yourself. Ouais, qu'on est pareil, mais qu'on n'est pas pareil, qu'on est différent. Comme l'eau et l'huile. Si tu me demandes. Et qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Peut-être, mais nous sommes ici tous les deux. Tu sais, je t'ai créé. Maybe. But you won't last long without me, just as I couldn't make it without you. In a situation like this, hiding in a trench is just plain stupid. I'll tell you what, stupid. Listening to someone who created you because he needs a fucking tool. Ouais. Il dit qu'il l'a créé parce qu'il avait besoin d'un outil en fait. Réparer le vaisseau. Parce qu'il n'était pas capable de réparer le vaisseau lui-même. Module déterminé over time. Ah ok, les modules en fait ils s'endommagent au fur et à mesure. Pour réparer. Ok, alors c'est où déjà l'atelier? Normalement on peut le réparer à partir de ce menu là. Ah ok, le truc il est pas disponible pendant que la base se déplace. Ah ok, faut créer un truc de réparation. Et on va aller réparer la salle de communication. Luca. Hello? Mr. Dolsky? Yeah, yes, I'm... Oui, je suis là. Are you okay? Est-ce que vous allez bien? Je vais bien, je suppose. I think so. I was almost done for... Je crois. These crazy instructions to duplicate and edit... Ouais, il a reçu des instructions bizarres qui lui a dit de se dupliquer et de se recréer lui-même. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch it. De savoir à qui il doit parler, à qui il parle. Control, orbital substation L7. Now, the branching. Did you do it? Est-ce que vous avez utilisé le système d'Alter? Oui. Il ne m'avait pas laissé le choix. You left me no choice. Doesn't mean I like what I did. Is this even legal? Est-ce que c'est au moins légal? Rapidium, Mr. Dawson. Vous avez trouvé du rapidium? We needed to act. Ouais, bon après, il y a de quoi lui poser des questions, on s'en fout. You're getting me out. Ça sera juste une démo. En plus, il y a un peu à tout vous traduire, donc je fais ce que je peux. La première chose à faire, c'est d'amener la base à un endroit sûr et accessible. La seconde chose... Est-ce que je peux voir l'un de vos altères? C'est pas une bonne idée. No, you are not talking to me. Comment vous savez qu'il ne veut pas me parler? How do you know you're not talking to him right now? You're ah oui, non. Joking, right? Comment vous pouvez savoir que vous êtes pas en train de lui parler? Comme si là justement j'étais l'alter et pas la version originale. Est-ce que vous rigolez? Oui. Okay, I am. Just doing my best to deal with the situation and...
Il va essayer de faire de son mieux avec la situation actuelle. He's pissed off at me. Il est énervé contre lui, il veut pas coopérer. Then we have a problem. Là, du coup, on a un problème. S'il peut pas vous aider, la base, je sais pas comment dire. Show him you care, maybe. I told him I wouldn't survive without him. Je lui ai dit que je ne pourrais pas survivre sans lui. Maybe you should share something. Ce sont juste des mots, essayer de faire quelque chose pour lui, quoi. Mais quoi? Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? Ouais, partager des choses avec lui, en fait. Yeah, true. Wait, suppose it's not about what you can share with him. Pour montrer qu'il se préoccupe de lui. It's not about what you can share with him, but what you already do. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez partager avec lui, mais quelque chose que vous avez déjà fait. La mémoire ou notre vie. Of course. Memories. I wonder if he remembers things the same way I do. Voilà, demande s'il se rappelle les mêmes choses que lui. See? You were so spooked by them. They could be a source of information. Fine. I'll check them out, see what happens. Shit, I Ouais, du coup, il va utiliser l'ordinateur quantique pour aller voir sa mémoire, en fait, à l'alter, voir les événements de sa vie, pour après pouvoir partager avec lui. Read about the alter life in the QC. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. C'est où ? Hop. Bon, je fais avancer parce que de toute façon, je pense qu'on a vu un peu que tout ça correspondait. Après ça, du coup, il va falloir discuter avec lui, quoi. Donc... Fantôme du passé, mauvaise habitude, crise financière. Je le vois encore. Et Jindal, Dolly. Demander à l'alter de partager ses souvenirs. J'ai réfléchi à propos de ce que vous avez dit, ce que t'as dit. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes différents. You're right. We are different. Sure we are. Like, I got that right away. And you took your sweet time. To dad, you didn't go to the college. T'es embêté par son père, ou je sais pas quoi, Stooch, je sais pas ce que ça veut dire. Tu n'es pas allé au collège. Mais du coup, je m'en rappelle plus. j'ai regardé ça à l'arrache. Oh, look at you. Did you shine out there? Were you best in class? No. I messed up. Il a tout foiré. L'autre, il pensait que ça s'était bien passé au collège, mais non. Il a dit qu'il a tout foiré. With mom and protecting her was the right thing to do. I knew it then, and I still do. Wait, is mom? Is she maybe still around here? No. Que notre mère est encore par ici. She always knew what to do. And how to cheer you up. Hey, when you were down, or dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you... Ouais, bon, je vais faire passer parce que... Oh my god, Emmett, fuck. Déjà, je pense que j'arriverai pas à tout traduire, et puis en plus... voilà, après, c'était surtout pour voir le game design, les mécaniques de jeu, etc. Je pense que le jeu, de toute façon, je le ferai, donc... Ce sera mieux de le faire en français, ce sera plus agréable pour vous aussi. Ingrédients here, beer and synthetic, grit and fungin. Oui, les ingrédients ici, de l'huile et coulant, je sais pas ce que c'est. Who said they have to be right? Yeah, I can pull.
If you... Quality food. Chaque personne consomme. Ouais, c'est ce que j'avais lu, qui consomme un repas par jour. Ok. Ouais, du coup, on peut faire des trucs différents par rapport à, bah, au goût des différents alters. Manger du pierogi avec l'alter. Here you are, the famous Dolsky pierogi with an interstellar twist. What do you think? Well, now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make pierogi for her. Right, yeah. I put like a ton of salt into the filling. And I overcooked them into a shapeless pulp. They were inedible. But you remember what she did? Uh-huh. She ate them all and never said a word. No, no, she said they were delicious. Hmm. Yeah. Yeah, you're right. So? They're delicious, man. Shut the fuck up. Mais voilà, en train de sympathiser. Alors, so, est-ce qu'on est cool? Comment tu te sens? Are we cool now? Cool. C'est dur pour moi aussi. Are you showing feeling? Montre tes sentiments. So did I. What? Hey, who's being? On peut on peut croire en notre coopération. D'accord, donc je dis qu'ils lui ont expliqué comment le créer. Et donc, bon, après on s'en fout, parce que de toute façon... You mean me? Et Cordia. C'est juste pour pouvoir... ah bah voilà, c'est arrivé. C'est la fin. Et après, voilà, il faut faire bien attention à ce qu'ils disent, les réponses qu'on donne, pour pas trop le blesser, pour que, au niveau de... c'est son ressenti, etc. Et il lui pète pas un câble, etc. Mais voilà, c'est ça à faire dans le jeu final, parce que là, dans la démo, c'est pas extrêmement utile. Quoi. Ouais, voilà, on a vu le concept. Ouais, donc du coup, après, ouais, bah, du coup, après, on va pouvoir explorer à plusieurs, en switchant de l'un à l'autre, en faisant en sorte que les compétences de tel alter, on l'utilise pour tel truc. Ouais, là, on voit les différents alters, du coup. Nerd, docteur. Mais ça doit être un sacré bordel après, devoir tous les gérer. Gérer leurs ressentiments les uns par rapport aux autres, faire attention de pas de blesser les sentiments des autres, etc. Il y a un paquet de monde après. Mais dès la première présentation, le jeu il m'a tout de suite plu, il m'a intrigué. J'ai vu tous ces concepts, toutes ces mécaniques de jeu, avec en plus la base qu'on améliore au fur et à mesure, le petit côté un peu craft, mais qui n'a pas l'air non plus d'être extrêmement poussé, qui correspond au background du jeu, parce qu'on est sur une planète hostile et qu'on doit survivre. Et puis justement, ce principe des alters, on ne savait pas comment ça se passait en fait à la base. Et voilà, on les voit tous, les alters. On ne savait pas du tout comment ça se passait, pourquoi en fait les alters étaient là, etc. Puis là, du coup, on vient de le découvrir grâce à la démo. Et pour le coup, ça m'intrigue énormément. Ouais, du coup, ils sont 8, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bref, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de découverte de la démo de The Alters vous a plu. Du coup, je m'excuse, elle était en anglais, malheureusement. J'ai essayé de faire au mieux pour...
traduire ce que je pouvais traduire et puis voilà, vous faire voilà, vous aider à comprendre tout ce qui était raconté. Et puis voilà, puis bah, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé également dans les commentaires. Et puis bah du coup on se retrouve demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.